concentre-toi. T'es seul au volant maintenant. Plus personne pour t'aider. C'est mieux comme ça. C'est sûr, c'est mieux comme ça. T'as besoin de personne, Leila. Pense à rien d'autre qu'à la route. La route. Ce rebondissement dans l'affaire Soulvertier, plus de 10 ans après l'enlèvement du fils de l'homme d'affaires. Un tibia humain aurait été retrouvé par un jogger au bord de la Teule. Des études sont actuellement en cours pour savoir s'il appartient ou non à la... T'as rien mangé? C'est bon, merci, maman. Le corps a été remonté, ressorti de l'eau là, par les plongeurs. Maman, t'es sûre de vouloir dîner avec ça? La violence du crime et les circonstances de cette affaire sordide... La fête foraine est le cercle Bartoli s'installe cette semaine et pour tout le mois de septembre, tu sais, Leila, on se disait que ce serait peut-être une bonne idée de partir quelques jours. Histoire de passer un petit peu de temps ensemble. Et oui, Sam. On a eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Ils remettent en chambre stérile. Moi, je vais pouvoir y passer, mais pour vous, ça sera qu'une fois par semaine. Il faudra rester dans la pièce à côté. J'allais gagner, je te jure. Le Morning Show, tous les matins, 6h, 9h. Eh bien oui, il y a de bonnes nouvelles quand même. Si, 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 le week-end arrive, ça y est. Vendredi 4 janvier, on y est. Bienvenue. Il suffit, dépêche. Il a toujours pas liké ma photo de profil, je vais décéder. Il y a peut-être autre chose à faire. Allez, dépêche. Parfois, je me demande vraiment pourquoi tu m'as mis en photo. Je sais pas. Tu t'as misé sur le long terme. C'est juste que t'en as rien à foutre. Parce que Leila, ce qui l'intéresse, c'est les grosses voitures, les gros moteurs et surtout les grosses... C'était quoi ? Leila ? Quoi ? C'est comme ça là. Vas-y, fais-moi les hanches là. Mieux que ça, je te dis. Jade, arrête. Vas-y, bouge-moi la terre, vas-y. Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Mais là, va-t'en, s'il te plaît. Max, allez. C'est bon, Leila, laisse-moi. Et on se barre, on se barre, on se barre. Leila, c'est bon, laisse-moi. Ouais, ça casse-toi, bouffonne, va. C'est bouffonne que ton frère. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Oh, tu sais, ton frère. Leila, arrête. Leila, je veux pas faire la roulou, mais tu vas où, là?
Si tu veux pas te faire virer, faut que tu leur racontes ce qui s'est passé. Elle aurait jamais dû dire ça, ils comprendront, j'en suis sûre. C'est gentil. J'ai le temps de prendre l'air. Maman ! C'est toi qui as touché à mon téléphone ? C'est quoi la communication ? Maman ! Maman ! Maman ?
Oui, ça va. D'où? De la Grande Horloge, on s'est rencontrés là-bas. Ça fait 3 heures que je cherche. J'ai traversé tout mon quartier, le périph, le centre-ville. Vous avez vu quelqu'un? Personne. Et au téléphone non plus. Il n'y a même plus de wifi, je comprends pas. Tu connais la Cité des Fleurs? Tu sais comment y aller? C'est chez moi et ça se trouve, ma mère, elle m'attend. Elle flippe parce que je suis toujours pas rentrée. Bon, écoutez, on va rester ensemble pour l'instant. Essayez de savoir ce qui se passe. Il y a un commissariat pas loin. On va commencer par là, d'accord? Comment tu t'appelles? Leïla. Je m'appelle Leïla. Et vous? Terry. Camille. Y'a quelqu'un? Attendez! Ici non plus, y'a personne qui répond. Faudrait qu'on trouve un relais satellite ou un truc comme ça. Chut. Vous avez entendu? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Vous avez vu ce qui se passe à l'extérieur? Qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi votre délire? C'est comme ça partout, dans toute la ville.
Y a plus personne nulle part. Tu vas où? Oh, tu vas où? Écoute, on se connaît pas ni toi ni tes petits copains, alors lâche-moi, ok? Tu crois? J'en sais rien, Camille. Ok, tu te calmes, respire. Comme quand à l'école, ce fils de pute de Kevin te fait chier. Tu souris et tu fais comme si c'était le plus beau jour de ta vie. Si ça se trouve, c'est qu'un cauchemar. Demain, il y aura plein de monde. Je vais me réveiller, maman va me faire un putain de petit déj. Tout va s'arranger. Regardez ce que j'ai trouvé. Elle a la classe, non? Je l'ai trouvé au magasin là-bas, là. Je demandais à Camille à quelle heure elle s'était réveillée. Je veux dire toute seule, sans personne. J'étais 18h, mais je sais pas, c'était peut-être plus tôt. Je me souviens plus. Je suis comme toi, je me souviens pas de ce qui s'est passé. Moi, je crois que c'était avant 6h du mat. Je le sais parce que j'avais un match de foot en déplacement. Je me réveillais jamais aussitôt d'habitude. Je dormais chez mon père et je devais aller le réveiller pour qu'on parte. Mais quand je suis allée le voir, il n'était plus là. Bah écoutez, on va se rendre au quartier d'affaires et trouver un endroit assez haut pour observer la ville. On y va comment? J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Les gens, ils sont partis ou ils ont disparu? J'en sais rien, Camille. Hé hey! Où est-ce que t'as trouvé ça? Là, au magasin de vélo. Ça? Ah, commissariat. C'est mortel, non? On était dehors et on a vu le SOS. Alors on s'est dit que quelqu'un a besoin d'aide. Lâchez cette arme. Ok. Toutes les communications sont coupées. Vous avez pu entrer en contact avec d'autres gens? On n'a trouvé personne. Enfin, si, un jeune comme nous, mais il est parti. Bon, vous nous faites sortir de là ou quoi? Lâchez vos sacs. Vos mains en l'air. Toi aussi. C'est bon, là?
Je m'appelle Yvan. Yvan Gersh. Faites comme chez vous. Gersh comme Gersh Group ? Ouais. Vous savez, j'ai vraiment cru que je reverrais plus personne de ma vie. En fait, on est chez toi ici. Chez mon père, ouais. Oh, le délire ! C'est quoi ? Un virus, comme dans Walking Dead. Il y aurait des corps. Il y aurait des cadavres de partout. C'est terroriste, un accident nucléaire. Comment la ville a pu être évacuée en une nuit ? On n'évacue pas une ville de 500 000 habitants comme ça. Le pire, c'est que je me souviens de rien. J'ai rien vu, rien entendu. Et quand je me suis réveillé, tout le monde était déjà parti. Je me souviens même pas comment je me suis fait ça. Mais vous, vous vous souvenez bien d'un truc, non ? Oh merde, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, non, mais je vous jure, y'a rien, rien ici, là. Oui, d'accord, rien quoi. Si papa apprend que j'ai même montré sa collection à quelqu'un, il m'assassine dans la seconde. Qu'est-ce que tu fais ? Sors de là. Sors de là. Ford Mustang GT500 Shelby 1967. V8 de 428 chevaux. De 0 à 100 en 5 secondes 9. Trois fois championne du monde NASCAR. Elle est juste. Attends, tu manques tel permis au moins. T'as conduit ta compagnie ? Chez moi. T'as pas oublié ? Non, j'ai pas oublié, Camille. Mais d'abord, on va voir ce qui se passe à l'extérieur, ok ? Il y a forcément encore quelqu'un. Il y a presque plus d'essence. Quoi ? Attends, c'est pas possible, Boris fait toujours le plein. C'est qui, Boris ? Hein ? Boris, c'est qui ? Garde du corps. Attends, parle plus fort. J'ai dit, c'est mon garde du corps. T'es un garde du corps, toi? Mais t'es con ou quoi? Son père est milliardaire. Hé hey. On dirait le mec du commissariat. Commissariat, quel commissariat? Ouais, c'est le mec qu'on a libéré. Attends, t'es libéré de quoi ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Je sais pas. On dirait comme un bout de flèche, là. Franchement, avouez que ça pouvait difficilement tomber mieux. T'es sûr que tu as réussi à conduire ça ? Allez, allez, on y va. Attendez, les gars, on peut pas prendre ce risque. Allez, monte ! Pourquoi on le laisse pas ici cette nuit ? On va voir demain si tout va bien. Changer d'avis finalement. Fonce. Hein? Fonce! Quand vous ?
endroit où lui enlever ça, ok? Aidez-moi! Faut un truc pour désinfecter! Moi je vais y aller parce que je pense pas que ce soit trop bien qu'on soit tous ensemble dans la même pièce si jamais il respire mal, etc. Bon, salut. T'inquiète, mon pote, ça va aller. La lumière! Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, mon père est médecin. Ok, c'est parti. On a tout fermé en haut. Il est réveillé? Il a dit quelque chose? Non, il dort encore. J'ai bloqué les accès en bas. Et dès qu'il se réveille, qu'on sait ce qui lui est arrivé, on se barre, ok? Ça veut dire qu'on dort là, ça? Non, mais je rêve. Pardon, Leïla, mais enfin, je. Ça te dérange si je dors dans ta chambre cette nuit? C'est juste que j'ai pas vraiment envie de rester toute seule. Enfin, je sais que c'est ridicule et je devrais avoir honte, mais. Enfin. Écoutez ça, nouvelle fuite sans gravité sur le réacteur 2 de la centrale de Fortville. Vous vous rendez compte que c'est juste à 2 km d'ici? Oh, tu m'écoutes? Oui. Leïla, regarde. Tu crois que c'est pour ça que les gens sont partis? T'as vu la date? Il a 2 semaines ce journal. On en aurait entendu parler s'il y avait eu un problème. Vous allez me mater comme ça pendant longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé dans le tunnel? Ça va mieux en tout cas tes blessures, non? Ça pue trop mal? T'as vu qui t'a fait ça? C'est pas ton truc la politesse, hein? Sans elle, tu serais peut-être bien mort. Alors regarde-la et réponds-lui quand elle te parle, ok? Et on se présente quand on connaît pas les gens. Dodgy.
Il s'appelle Deji. Comment tu sais? J'ai regardé dans son portefeuille. Deji, en tout cas, j'adore. Le prénom, je... T'as vu qui t'a fait ça? Quelqu'un qui te cherche, c'est ça? Quelqu'un qui t'aurait pris un truc ou... Je te suis pas, là. Hein? Tu me prends pour un voleur? T'as un problème avec les négros? Ah mais alors là, mais pas du tout. Enfin, je suis désolé si tu penses que je suis raciste. Enfin, demande à Leïla qui... Avant, j'avais même un... Un minor? Ouais. Il y a eu personne dans ce putain de tunnel. Attends, nous fâchons pas, c'est pas... Tu vas! C'est quoi votre programme? On va partir. On va quitter la ville. Oh! Deji! Si vous voulez me suivre, c'est maintenant. Surdramatisé, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Ça chauffe, c'est hyper chaud et ça brûle la gorge. On dirait comme un accident chimique. Mais ouais, c'est sûr que c'est ça en fait. Du coup, ils ont abandonné la ville. Ils m'ont laissé, putain. Autour de la ville. C'est complètement fou ce truc. Il faut qu'on trouve du secours, faut que quelqu'un vienne nous chercher. On peut pas s'en sortir tout seul. Leïla, j'ai vraiment besoin de passer chez moi. Écoutez, on va refaire un tour de périph', c'est impossible qu'il y en ait partout. Je viens de récupérer ça dans l'ambulance. Cette radio peut capter à plus de 100 km. Une fois que j'aurai branché, s'il y a encore quelqu'un dans ce pays, impossible qu'il nous loue. Par contre, je peux rien faire en roulant. Leïla, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de mes lunettes, arrête-toi. Écoute, c'est pas le moment, Camille, ok? Qu'est-ce que tu fous, ça va pas? T'es folle ou quoi? Je peux pas rester comme ça, je vois plus rien, putain! J'arrive. Yvan? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Non, je vais rester là, c'est mieux. Et puis comme ça, je m'occupe de la radio, je... Oh! C'est quoi ça? Ça, c'est rien. C'est t'en servir? Putain. Ouais, tout va bien, tu risques rien ici, tu risques rien du tout. Je risque absolument rien ici, absolument rien. Attendez-moi! Attendez-moi! Attendez!
Ce que je veux dire, c'est peut-être mieux pour la question de groupe si on reste ensemble. Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? Je crois que je les ai trouvés. Tes lunettes. Merci. Camille, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Le ménage. Le putain de ménage ! Mais arrête, si ta mère revient ! C'est pas chez Moïse ! C'est chez mon père, mon putain de mon père ! On va peut-être aller voir, là, non ? Calme-toi. Laisse. Calme-toi. C'est bon, t'es calmée ? Elle est partie. Je veux la revoir. Je veux voir maman. Bah quoi ? Pourquoi vous faites cette tête-là ? Bah juste eu un peu de mal à trouver les lunettes, c'est tout. Bon, sinon, on pourrait passer chez moi maintenant. Je crois que j'ai oublié mon appareil dentaire. Mais elle est où, la Rolls ? Non, qu'est-ce que t'as foutu ? Mais je sais pas. Je vous jure que j'ai pas touché à cette voiture. Peut-être laisser les clés sur contact, mais... Elle est là ! Et là, qu'est-ce que vous ? Et là ? Quoi ? Allô, est-ce que quelqu'un nous entend ? Si quelqu'un nous entend, sachez que nous sommes près de la gare de Fortville. Je répète, nous sommes près de... Tu peux lui donner notre adresse ? Il faut bien que les secours sachent où on est. On est supposé se planquer, attends au moins d'avoir quelqu'un. Ouais, t'as raison. Merci, Dodgy. Ceci est un message d'urgence. Si quelqu'un nous entend, répondez. Ça va ? Je répète, si quelqu'un nous entend, répondez. En fait, merci. Les tourtereaux ! Les tourtereaux !
Venez voir. Je crois que je l'ai. Viens voir. Ça me rappelle une BD que je lisais quand j'étais petit. Steelman. Il y avait un perso, il lui ressemblait vachement. Il s'appelait... Le maître des couteaux. Écoute. T'as fait quoi comme connerie? Hein? Qu'est-ce que t'as fait pour aller en prison? Ok, ok, pardon. Désolé, désolé. Ça me regarde pas, désolé. Tu crois que c'est le maître des couteaux qui t'a tiré dessus? Je te jure que j'ai rien vu dans ce tunnel. De là, ok? Tu me jures? Je jure pas. Yvan? Ton père, il est banquier? Hein? Hein, Yvan? Yvan! Si les banquiers, ils transportent bien de l'argent. De bazooka, tu dis? Normalement. Je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne idée de chercher à traverser le brouillard. Yvan Gersh, on est à Fortville. Fortville? Nous pensions avoir évacué toute la ville. Écoutez, je vais vous envoyer des secours. On est débordé ici, alors il va falloir patienter au moins 24 heures. Surtout, n'essayez pas de traverser le brouillard. Je répète, n'essayez pas de traverser le brouillard. Est-ce que vous pouvez me donner un point précis, localisation? Le nom de la rue, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de coordonnées GPS précises. Je suis désolé, mais il n'y a plus de réseau satellite ici. Et ça, c'est pas des coordonnées GPS, ça? Donne, allez, regarde, tiens. C'est la montre que t'as piqué au Majestic? Ouais. Donne. Nous serons localisables à l'hôtel Majestic. Latitude 45.79.69. Longitude 3.43.79.02.30. Surtout restez branchés sur cette fréquence. À demain. Et tenez bon. Hein. Yes, 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 yes. C'est super. You never pick.
pas qu'on aille se faire une banque avant de partir. On prend le fourgon, on défonce la vitrine, on prend masse de thunes, on se casse. Mesdames et messieurs. Château Perrault 85. Je doute que vous ayez une occasion de regoûter un truc pareil. C'est cher? Je sais pas, je dirais 15, 20 000 euros la bouteille. Balance! Non. Ok. Oh, t'es dégueulasse, Terry. Non, mais une bouteille comme ça, ça se respecte. Attends, 20 000 balles pour ça. Il faut que quelqu'un porte un toast. Un vrai toast. Doji? Doji. J'aimerais pouvoir être aussi relax que vous, mais tant que je sais pas ce qu'on a trouvé de l'autre côté. Attends, t'es sérieux là? T'as vraiment rien de mieux? Ouais, je vous ai pas remercié. Pour le tunnel. Merci. Oui! Sauveur. À nous. À nous. Yvan. Attends, ça va, je connais mes limites. Je pose ça là, ok? À côté du lit. Tu vois le seau? Je le pose là, comme ça, t'as pas à te lever. Camille. C'est pas assez avec toi. Je sais plus. Puis si tu veux, on pourra baiser. Lâche-moi, putain. Allez, Camille, tu vas être tellement heureuse. Et toi, Léla, hein? Oh, Doji. Oh, Léla. Doji. Léla. T'es lourd, Yvan. Pardon, c'est ma chaise, allez. Attends, je... Mais je sais. Je sais qui tu me fais penser. Oh, oh Léla. Oh, Doji. Oh, Léla, oui. Oh, mamie, c'est bien. Oh, Doji. Oh, Léla, oui. Oh, Léla. Allez. Ok. Léla, c'est moi, c'est Yvan, ouvre. Léla, je crois que j'ai vu quelqu'un là. C'est... Toi, vas-y. Parce que moi, je suis crevé là. Je... C'est quoi ça? Bah, là-bas, c'est...
suis là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est dans l'hôtel. Maintenant, on réveille les autres. Non, on dit rien au petit. Je vais rester là à surveiller. Demain, tu prendras la relève, ok? C'est bon, il a dit dans 2 heures, il sera là dans 2 heures. Je surveille, c'est tout. T'inquiète pas, il va revenir. Oh, merci mon Dieu, vous êtes là. J'ai cru que vous étiez parti sans moi. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je me souviens de rien du tout. C'était dégueulasse. Leïla, dis-moi, il s'est passé quoi? La piquance flingue. Quelle flingue? Tu t'es pointé avec ça dans ma chambre. T'as suivi mon garde du corps. J'ai tué quelqu'un, c'est ça? Non, mais c'est pas sérieux. Je suis... Merde, t'es dégueulasse! T'arrêtes ton cinéma, t'as tué personne. C'est vrai? C'est quoi ce délire? Quoi? Le brouillard. J'ai l'impression qu'il avance. Maintenant. Tu devais rester avec les petits. Le brouillard. Il est de plus en plus proche, faut pas rester là. Au nord, il y a encore des endroits où il n'y en a pas. On peut attendre les secours là-bas. Les secours. Quoi? Quoi, t'as dit? Il n'y a plus rien. Plus rien, et vous arrêtez tout parce que vous avez entendu 3 mots à la radio. Je sais qu'ils vont venir. C'est sûr, ils vont venir nous chercher. C'est des gosses. Ah, au fait. Comment ça fait? T'avais l'air d'y tenir. Aïssam, c'est mon frère. Je veux dire, c'est pas... Ça vient du Majestic. On a entendu crier, puis plus rien. Poussez-vous. Camille. Camille. Elle a sauté. Eh, venez voir.
Si vous voulez revoir Camille, suivez-moi. Vous savez que c'est une mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Peut-être même la pire que vous ayez eue depuis qu'on s'est rencontrés. Ce que je veux dire, c'est simplement que la personne qui est derrière ce truc... Écoute, tu la fermes maintenant, ok? Vous voulez. Qu'est-ce que tu fais? Dodie, viens avec toi. Tu me vois pas dans 10 minutes, tu viens, mais pas maintenant. Alors prends ça. Tu le prends ou je viens? Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais déjà être là. Ça fait à peine 5 minutes. Leïla! T'es complètement con, quoi. Tu nous fous dans la merde. Il t'a demandé d'attendre, alors attends un peu, s'il te plaît. Leïla! Leïla, écoute-moi! Leïla! 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 J'aurais jamais dû le laisser partir tout seul. Thank you.
Camille, elle est où Camille? Tu peux pas me répondre? Va me chercher des balles dans le fourgon, Terry. Quoi? Fais ce que je te dis! Leïla, je peux pas faire ça. C'est quoi que ce soit, il faut que tu nous le dises. Tu comprends ce que je dis? Oh! Leïla, non! Leïla, non! Non, bouge-toi, Terry! Je le connais! Je le connais, je te dis! Comment ça, tu le connais? Pas directement, mais je le connais. Il fait partie de l'assaut de ma mère. Voilà, les jours bleus. Tu vois, les jours bleus? C'est l'assaut de ma mère. Il s'occupe de jeunes à déficience, comme ça, quoi. Jamais il aurait pu faire ça. Comment il aurait pu faire ça, Dodi? Et les flèches, et le drone? Tu penses vraiment qu'il est derrière tout ça? Non, Leïla! Leïla! Franchement. S'il arrive le moindre problème, je le descends. Maman, pardon d'utiliser ta boîte à prière, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour dire ce que j'ai à te dire. J'ai pas fait exprès de tirer. Je voulais juste lui faire peur, qu'il arrête de te faire mal. Je suis pas un criminel. Et tu sais, ceux qui disaient que j'étais bon qu'à être seul, mais j'ai rencontré des amis, des vrais amis. Je te les présenterai, maman, parce que je suis sûr que t'as pas disparu. Dodi. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Je vous entends parfaitement, oui. On a dû quitter le Majestic, on peut plus y retourner. Devant la carte. Hein? La carte. On va vous donner notre nouvelle position. Si j'ai bien calculé, notre nouvelle position est... 2.12.23. Point 278. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez? Bande d'imbéciles. Vous allez tous finir ici. Je pensais pas pouvoir vous manipuler aussi facilement que l'homme mongol. Je crois que ma fiancée veut vous dire un dernier mot. S'il vous plaît, je veux le sortir. C'est possible d'être aussi con. Aussi débile. Et comment j'ai pu faire un truc pareil, hein? Comment j'ai pu faire un truc pareil? Merde! Maman! Terry! Maman! Ça va? Faut pas rester là! Maman! Va le détacher! Maman! Vite! Maman!
Bouge pas, bouge pas. Kelly, qu'est-ce que tu fais? J'y arrive pas. Je suis désolé, mais il faut se rendre à l'évidence. Puis c'est moi, je fais tout ce que vous voudrez. J'ai vraiment aucun moyen de localiser le signal. Vous avez entendu? Quoi? Derrière. Les chevaux. Super. Et qu'est-ce qu'on fait? On visite tous les rats du coin? Là, toi, t'as laissé nos amis? Tu t'es occupé d'eux ou comme avec le nègre, il va falloir que je m'en charge? Va-t'en! Reste pas là! Maman, c'est ça? Va-t'en! Je sais. Maman! Je t'ai promis que t'allais la revoir. Reste pas là! J'ai pas une bonne nouvelle. Non! Non!
Merde. Un nègre à Mongol. Manque plus qu'une arabe et le tableau sera parfait. On va partir, tu sais. Tu m'emmènes où? Pas sur mes amis. Je veux pas partir sans eux. Je peux rien pour tes amis. T'entends? Il arrive. Le brouillard. Brûlé pour l'éternité dans le chaos des limbes. J'ai vu sa tête. J'ai vu sa tête quelque part. Jamais je partirai avec toi. Jamais. Je t'ai déjà dit d'arrêter de te plaindre. Ah, enculé. Fais-moi sortir de là, putain. J'adore quand elle me parle comme ça, c'est ça. Toujours pas compris. Lâche ton arme. Une information tragique vient de nous parvenir. C'est en début de soirée qu'un feu s'est déclaré à proximité de la fête foraine de Fortville. Des flammes hautes de plusieurs dizaines de mètres ont complètement ravagé les lieux, alors que le public était encore présent. Tu veux la suite? Qu'est-ce que tu racontes? Tu tires, la suite! La suite, tu tires! Oh, tu te réveilles, l'arabe! Qu'est-ce que c'est? Tu vas où? Leïla! Putain, ça y est, je le reconnais. C'est Saul Berthier. Pousse-toi! Je vous souvenais pas, son meurtre a fait la une il y a des années. Je vous souviens parce que. Je vous souviens parce que son visage me faisait grave flipper à l'époque. Qu'est-ce que tu fous ?
Terry, regarde. Un petit putain de truc là, sortez-moi d'un! Les autres. Et même l'autre facho qui t'a buté. Vous venez tous dans ma tête. Lila, stop! Lila, arrête-toi! Franchement, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Thank you.
traverse les landes, traverse le brouillard. Léla ! Aidez-moi, putain ! Léla, tu m'entends ? Ça va ? Génial. Génial. Bon, alors il faut que tu me dises. Il y a quoi derrière ? C'est l'enfer ? C'est le paradis ? C'est quoi ? Laisse-la respirer. Tu peux te lever ? Alors on fait quoi ? Hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Y aller à fond. Alors accrochez-vous, ok? Père, que Dieu soit, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur terre comme au ciel. J'ai plus vraiment envie de savoir, en fait. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tiens, rien derrière. Hein? Tiens, rien. Hein? Si, c'est juste le chaos total, si, c'est juste le néant. Nous sommes pas à la tête, je crois. Mais même temps de prier. Putain. Notre père, que Dieu soit. Tenez-vous! J'ai besoin de vous. Si on n'est pas ensemble, on n'y arrivera pas. Vous êtes vraiment sûr que... Avance. Aïssa, mon frère. C'est toi qui m'as donné la force de traverser les landes. Je suis sûre que tu vas sortir du coma. Retrouver papa, maman, le monde des vivants. Serre-les fort pour moi. Et dis-leur que je les aime. Je ne sais pas où nous sommes. Peut-être dans cet endroit qu'on appelle paradis. C'est drôle, mais ici, j'ai l'impression d'être plus vivante que je ne l'ai jamais été. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Je repose en paix.
entendu ? Quoi ? Sache que là où je suis, je ne suis pas seule. Je ne serai plus jamais seule. Personne ne pourra se mettre entre nous.